Bonjour, bienvenue dans La Grappe. Aujourd'hui, je suis avec Aloïs et Simon du 19h Live de RJR. Vous allez bien ? Très bien. Super, la forme. On reviendra sur vous juste un petit peu plus tard, toujours avec Paul du G-Show et Lucas pour sa revue de presse. On regarde le sommaire. Paul, pour son G-Show, nous amène au salon du mariage qui avait lieu à Reims du 3 au 4 février. Aujourd'hui, on accueille deux invités, Aloïs et Simon, du 19h Live sur RJR. On va retrouver la revue de presse de Lucas. Et on finira l'émission par un concert de Ian Coffin. Et c'est parti pour le G-Show de Paul. Alors, qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci ? Alors, ce mois-ci, je vous emmène au salon des German du 3 au 4 février, à Reims, bien sûr, parce que j'ai toujours pas d'âme sœur. Dame sœur, carrément. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai cherché une petite femme pour me marier au salon du mariage. C'est parti pour le G-Show de Paul pour La Grappe. Alors nous voici au salon des German pour le salon du mariage du 3 au 4 février. Moi, je suis venu pour une chose, c'est organiser mon mariage. Bon, une petite deuxième, c'est aussi trouver ma petite femme. Donc allez, c'est parti. Bonjour, je suis Perrine Destenet de l'agence Peps Événements et je suis l'organisatrice de ce salon du mariage. Du coup, le but de cet événement, c'est de créer un showroom du mariage et de l'événement. Donc vraiment une sélection de prestataires de qualité. Donc là, il a fallu faire un choix et on a fait vraiment le choix du côté intimiste, qualitatif des prestataires. Après, bien évidemment, c'est pas parce que ceux qui ne sont pas là, ça veut pas dire que ce n'est pas de qualité. C'est juste qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Ouais, c'est sûr. Pourquoi défiler avec des misses ? Moi, en fait, je suis à la tête du comité Miss Champagne Ardennes depuis 5 ans maintenant. Donc en fait, les Miss et anciennes Miss font partie de mon agence. Mais où sont les Mister ? Joker. C'est le premier, c'est la première édition. Et on aura d'autres ? Je pense. On espère. On espère, de tout cœur. Je représente la marque Blandin-des-Lois, c'est un stand de confection de costumes sur mesure, mariage et business également. Et qu'est-ce qui vous démarque des autres costumes ? Alors, ce qui fait notre ADN, c'est le rapport qualité-prix. Ce qu'on veut mettre dans les mœurs des personnes, c'est d'avoir une qualité de tissu haut de gamme pour des prix abordables similaires aux prêt-à-porter. Et vous avez une préférence de mise, vous ou pas ? Océane, j'aime bien. Ah. Elle est sympa. Océane, notre Miss Champagne-Ardenne 2015. Thiépin. J'ai un salon, salon couleur pourpre de Tinqueux. Ça fait déjà 15 ans. Aujourd'hui, c'est pour montrer qu'il n'y a pas que la coiffure de tous les jours, il y a aussi la coiffure pour des événements comme le mariage et de montrer ce qu'on peut faire avec des cheveux courts, des cheveux longs. Et vous pensez que je suis bien coiffée pour une miss comme ça ? Non. Il y a du boulot. Hein. Ah non, quand même pas. Non, vous avez vos chances. Parfait. Alors moi je suis de l'univers du mariage, Châlons-Champagne. Donc c'est vous qui faites les belles robes pour nos miss. Voilà, pour les miss de région. Et vous me conseillez quelle miss à épouser ? Bon écoutez, elles sont toutes jolies alors, donc c'est à vous de choisir, il faut leur demander. Hey. On se connaît nous, non ? Il me semble. T'es pas passé sur le plateau de La Grappe ? Exactement. Et moi je suis chroniqueur. C'est vrai ? Mais oui, on s'est déjà vu. Qu'est-ce que tu fais là alors ? Alors je viens te poser des questions. À moi. Ah oui, à toi. Vas-y, je t'écoute. Que viens-tu faire ici ? Alors, on expose avec Marie, qui est ma petite femme. Marie, ma petite femme. Putain, les gars. Marie, ma petite femme. Donc, Marie fait la photo, moi la vidéo, et là, c'est le salon du mariage à Des German. Donc, du coup, on expose ce qu'on fait en photo et vidéo. Moi j'ai une petite question. Ouais. Je vais me marier bientôt dans une salle des fêtes. Je vais demander à une des misses de m'épouser aujourd'hui. C'est une bonne idée. Et du coup, tu me fais un bon prix ? Alors, c'est pas une question de prix. Est-ce que les photos te plaisent ? Est-ce que la vidéo te plaît ? Bien sûr. Ouais. C'est quelle miss qui va. Oh, je sais pas, celle qui voudra bien. Tu me conseilles laquelle ? Moi j'ai un petit coup de cœur quand même pour Safia Tou, notre Miss Champagne Ardennes. Ah, ok. En plus, elle est très gentille. Hein. Ouais, je lui dirai de ta part. Ouais.
Bonjour, alors je suis Océane Pagenaud, je suis une ancienne Miss Champagne-Ardenne, périmée j'aime bien le dire. Eh bien, je suis Maëva Cook, Miss France 2018. Bonjour, je suis Safia Toguino, troisième dauphine de Miss France, Miss Champagne-Ardenne. J'ai 20 ans. Et donc pas de mariage? Non, pas du tout. Oh mon Dieu, non. Alors que viens-tu faire à ce salon de mariage? Je viens en séance de dédicace parce que j'ai été invitée par la société Peps Événements. Et on a sur le plateau en ce moment même, Aloïs et Simon. Oui, bonjour Aloïs, bonjour Simon. Bah oui, je travaille avec eux sur RJR Radio Jeune Reims. Vous êtes venus d'ailleurs avec nous sur cette radio-là. On était vraiment contents de vous recevoir. Et on fait l'appareil de votre côté du coup. Ouais, c'est vrai. Alors on a quelques petites questions. Alors la première, c'est es-tu très gentille? Eh bien, vous jugez, est-ce que je le suis? Très gentille, oui, effectivement. Ah, je suis vraiment très très gentille. Ok, parfait. Et parce, oui. Parce que d'après, tu es le coup de cœur de Dimitri Erato. Et il a dit que tu étais adorable et très gentille. Ben voilà, il a raison. Voilà. Voilà. Donc est-ce que tu es belle? Ben je sais pas, ça t'entend juger. Hein. Bon, on va dire oui. Est-ce que vous êtes très belle? Je ne sais pas, encore une fois, c'est au public de juger. Bon, on va je dire pense oui. Que ça devrait aller. Si j'étais élue, c'est pense. Que ça passe. Je pense. Ça, c'est la question piège. On coupe. Est-ce que tu aimes faire à manger? Oui. C'est vrai? Ouais. Tu cuisines bien? Oui, je suis nulle en dessert, mais sinon, je sais faire des petits plats, des choses comme ça. Oui, j'aime beaucoup faire à manger. C'est vrai que depuis l'élection Miss France, j'ai un peu plus de mal à cuisiner parce que je n'ai pas trop le temps. Mais ouais, j'aime bien faire à manger. Ouais, mais tu veux que je rentre dans tes critères ou... Oui, c'est je cuisine questions. Également. Vous aimez les beaux garçons? Oui. Bon, parfait. Bien oui, comme tout le monde. Oui. Vu que je suis un beau garçon, est-ce que vous voulez m'épouser? Non. Je veux pas me marier, je suis trop jeune, j'ai 20 ans. Ah, bah te fiancer alors. Oh non plus. Oh mince. Bon bah tant pis, ça a encore raté. Alors j'espère, est-ce que vous voulez m'épouser? Alors non, désolé. Ah, ça fait 3 ratés. Voilà, j'ai déjà mon prince charmant, donc c'est impossible. Oh, mince. Alors, en cette fin de salon de mariage, c'est une belle clôture. Ah oui, tout à fait, une très très belle clôture. Je suis ravie de ce salon du mariage. C'est une belle journée ce dimanche parce qu'il y a eu énormément de monde, forcément aussi pour la Miss Champagne-Ardenne, mais pas que pour la Miss Champagne-Ardenne et la Miss France. Oula. Donc voilà, mais maintenant il faut que je vous laisse parce qu'en fait il y a ma crêpe qui crame. Bon bah hein? À l'année prochaine. À l'année alors. Prochaine, hein. Merci. Salut. Hein. Voici la fin de cette première édition du Salon du Mariage au Salon des Germaines à Reims. On a eu le droit à ces beaux autographes de Safia Tou et de la Miss France 2018. Donc voilà. Bon ben malheureusement je n'ai trouvé personne. Ça doit être physique, je sais pas. C'est... Je sais pas. Il y a un truc qui se passe qui voilà. Tu passes pas? Non. Ouais voilà. Essayez ça, ouais, la mèche, la coupe. Des cheveux. Un bisou comme ça. Un peu cool. Donc voilà, je vous ai présenté le salon du mariage et puis c'est reparti pour de nouvelles aventures et au mois prochain. Impeccable, merci Paul. Merci. Bienvenue Aloïs. Bienvenue Simon. Bonjour. Bah, merci de nous accueillir, bonjour. Pas de soucis. Alors du coup, vous êtes des chroniqueurs, présentateurs, chroniqueurs du 19h Live, qu'on retrouve sur RJR tous les mardis à partir de 19h. C'est ça, si je ne me trompe comme pas. Son nom l'indique, 19h Live. C'est parfait. Hein. C'est la question qu'on nous pose le plus, 20h, 19h, on ne sait plus. On ne sait plus, pourquoi ce nom? On start. Effectivement. On regarde quelques images pour se rendre compte un petit peu de ce que vous faites et on en discute juste après. Bah, ouais. Carrément, allons-y. Et c'est maintenant... dans 19h Live. Et bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission 19h Live sur RJR. Comme chaque semaine, c'est un plaisir de vous retrouver. Ce soir, on a du lourd. On a beaucoup, beaucoup travaillé cette semaine pour vous apporter un contenu exclusif. Et j'accueille Marie Binz. Bonsoir Marie, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très très bien, merci. La forme? Oui, oui. Un peu fraîchement, parce qu'on s'est pris pas mal de flocons quand même. C'est chiant, c'est mouillé partout, j'aime pas ça. Je préfère quand tout est blanc avec un beau petit soleil et tout. Oui, voilà, mais... Et là, non, j'aime pas ça. Bon, okay. Voilà, Marie Vénère ce soir. Dites-nous aussi avec le hashtag RJR19h Live si vous n'aimez pas la neige. Non, mais j'aime bien la neige, mais là on a toujours la peur de se casser la figure, c'est chiant. Tu t'es cassé la figure, Marie? J'ai failli. Ah, voilà. Quand on fait les choses à moitié, forcément. Hein. Voilà. Chaya est avec nous ce soir. Salut à toutes et à tous. Comment vas-tu, mon Chaya? Ça va, malgré la neige, ça va. Ah, malgré la neige. Alors, est-ce que tu as une petite expérience neigeuse à nous raconter? Ça va, je tiens.
tiens toujours sur mes pieds en termes généraux, il n'y a pas de soucis. Ça va, pour l'instant voilà, ça va. Pour l'instant ça va, je touche du bois pour ça. Bonjour à tous et bienvenue, je suis avec Océane aujourd'hui. Bonjour à tous. Océane. Bonjour. On est en direct du village Téléthon de la ville de Reims. Comme vous le voyez sur la place Drouet-Derlon, magnifiquement bien décoré aujourd'hui et en ces périodes de fête de Noël. Alors, Aloïs ou Simon, comment cette aventure a débuté? Vas-y, partage. Merci. Bah, en fait, l'année dernière, il y avait une émission qui s'appelait Talk sur RJR, mm-hmm. qui était animée par un ami à moi, qui est parti travailler à Paris, dans la télévision. Et en fait, vu que l'émission s'est arrêtée, le directeur d'antenne m'a simplement demandé si je restais l'année d'après. Et moi, je voulais me tourner vers l'animation parce que chroniqueur, c'est cool. Mais au bout d'un moment, j'en avais fait le tour. Et voilà, et j'ai décidé de... il m'a donné carte blanche avant que je décide. Déjà, c'est pas mal, vu du directeur d'antenne. Mais après, voilà, il m'a donné carte blanche et j'ai fait un talk 2.0 qui s'est appelé 19h Live avec une formule un peu différente. Pas si différente que là, parce qu'on est sur un talk show de divertissement. Et voilà, tout simplement, plus de chroniqueurs, des chroniques différentes. On a axé un peu plus sur le direct Facebook, Facebook Live, parce qu'on a l'antenne 106.1, mais à l'ère des réseaux sociaux, c'est quand même cool d'avoir la vidéo aussi. De vidéo. Comme vous. Effectivement. On était jaloux, en fait. Ouais, c'est ça. C'est plutôt beau. Alors du coup, donc, c'est toi qui a un peu monté un petit peu tout ce projet. Comment ça s'est passé pour rechercher les chroniqueurs? Qui fait quoi, du coup, dans l'émission? Alors tout le monde, il faut savoir que tout le monde est chroniqueur à l'antenne, mais tout le monde a un poste en production. Et après, dans le recrutement, Simon, qui est ici ce soir. Bah oui, Simon était déjà un bénévole de longue date sur RJR. Et après, pour les autres chroniqueurs, j'ai fait une annonce sur Facebook pour savoir s'il y avait des passionnés de radio et des gens qui voulaient tester la radio. Et l'année dernière, il y avait une stagiaire à RJR qui n'est autre que Marie Bins, qui a pris la chronique Marie scrute l'info. Donc elle fait tout ce qui est bon plan, actu, de la région et nationale. Et puis après, on a eu Chaya. Qui, pareil, Chayenne n'avait jamais fait de radio, mais il a postulé sur Facebook et il a une voix assez grave, assez attirante. Il a son style, tu vois. Et vu qu'il est très culture, c'est venu en chronique culture, ciné, people, musique. Et puis Océane, qui était dans Talk l'année dernière, qui est l'ancienne Miss Champagne-Ardenne. 2015, c'est ça? Ah, ouais. Et là, c'est les conseils d'Océane, trucs et astuces, déco, beauté, tout ce qui lui passe par la tête. Et ça se passe plutôt bien. Comment ça se passe? Parce qu'on a parlé d'émissions spéciales tout à l'heure, vous allez même sur le terrain, comme on a pu voir dans l'extrait. Oui. Pourquoi? Est-ce que c'est l'évolution aussi un peu de votre concept? Est-ce que vous allez peut-être plus partir là-dedans? Pourquoi le faire aussi? Ça, on a essayé pour le Téléthon, on trouvait que c'était une bonne occasion. On voulait faire une émission spéciale Téléthon, mais ça tombe pas un mardi, donc tu vois, après, on se dit, est-ce qu'on enregistre, on diffuse? Un peu compliqué, on s'est dit, on va faire un 19h live, mais exceptionnel. Et on l'a fait en direct, de la place d'Erlon. Les micros connectés à l'ordinateur, on était en 4G Bouygues Télécom de ouf, SFR et Orange, c'est ça. C'est bon. Et donc, c'est bon, ça c'est fait. Et donc, non, mais tu vois le truc. Et donc, ils étaient quatre et nous, on avait nos micros sans fil et qu'on avait bien flagué 19h live et tout, on a fait les choses j'ai bien. Vu ça, c'est beau. Et donc, on était en direct, on avait prévu précharger des vidéos pour faire quand même des pauses, qu'on a fait quand même une heure de direct, place d'Erlon dans le froid. Donc, mais non, dans l'ensemble, c'est super bien passé. C'est étonnamment bien passé dans le signal. Ça n'a pas beaucoup haché, c'était de bonne qualité. Et on a pu envoyer des teasers, quoi. Donc c'était chouette. Et alors, dernière petite question, comme ça résumera un petit peu tout. Pourquoi justement s'être lancé un peu dans cette aventure? Parce qu'on n'avait rien à faire d'autre. Ça marche, merci beaucoup. J'ai adoré dire ça, excusez-moi. Ça me rajoute une ligne sur le CV, sur RGR. Ça brûle la ligne. ça permet, moi je voulais voir d'autres choses que l'animation. Enfin, je suis déjà animateur sur d'autres émissions, j'ai déjà été chroniqueur sur d'autres émissions. Et moi je voulais vraiment me servir de cette émission-là, vraiment d'un point de vue technique, pour chercher d'autres trucs, d'autres sensations. Il cherche l'orgasme, en fait, clairement. Depuis quelques années, tu l'as trouvé l'orgasme avec 19h Live? Pas avec toi, mais... Non, je rigole. Je ne veux pas le savoir. Non, et puis pourquoi s'être mis dans cette aventure? À côté, je suis comédien, je fais de la réa, de la prod, on est tous dans le même métier. Et j'aime... en fait, j'ai jamais pu choisir demain dans quelle carrière me mettre, tu vois. Est-ce que je deviens un comédien de ciné ou alors est-ce que je deviens animateur radio ou TV? Écoutez, merci beaucoup, Héloïse, Simon. Merci. Merci à vous, plateau. C'est cool. Et puis vous revenez quand vous voulez dans 19h Live. Il n'y a pas de souci. Et puis nous, si on passe dans le coin, on viendra
boire dans les magnifiques mugs la grappe. Parfait, merci beaucoup. Et je crois que maintenant, il y a un petit moment buccal qui arrive. Est-ce que 19h, c'est pas trop tôt? Non. T'es plutôt blond, roux ou brun? De ma foi, j'aime les trois. Oh, j'adore. Et du coup, t'es plutôt anal ou buccal? Bah, dans la circonstance, dire ou buccal, hein. T'es plutôt Bill du Big Deal ou Vincent Lagaffe? Vincent Lagaffe. C'est excellent. T'es plutôt banane ou banane? Ah, je suis plutôt banane. T'as pris la boîte la plus sexy, là. Est-ce que t'as vu ça? Vous aimez vous entourer de miss, non? Bah, les jolies filles, c'est notre truc, hein. Ah, même genre, toute la petite coquine, comme ça, dans 19h live, c'est open, tu Faut sais. Faut que ça présente, hein. Dis que vous êtes plutôt Miss Champagne Ardenne ou Mister Cocktail? Excuse-moi, je me permets. Je suis plutôt Miss Champagne Ardenne. Ah, Miss Champagne Ardenne. Ah, le cochon. T'es plutôt menu enfant ou menu Bernadet? Alors ça, c'est pour moi, indéniablement. Je dirais menu enfant. Non, je rigole, menu Bernadet, quand même. Un peu de tenue. Désolé. Excuse-moi. Et t'es plutôt Miss You ou missionnaire? Alors, excusez-moi, je vais m'en prendre bien la bouche. Je dirais plutôt missionnaire, je suis un gros cochon, moi. Ah. Alors, êtes-vous prêt pour le moment défi? Ouais. On est toujours prêt pour les défis dans 19h live. On est là, on est joueurs. On adore. Ok. Êtes-vous prêt à présenter le début de votre émission à l'Hélium? Eh ben, j'ai envie de dire c'est parti. Alors, on se retrouve mardi à 19h sur RJR. Moi, j'ai défoncé total. Alors, est-ce qu'on va accepter ce petit défi? Bah oui, bah écoute, on est là pour ça. Hein. Non, en fait, non. C'est vrai. Non, le mec fout les mains. Non, carrément. On est très joueurs, comme on te l'a dit tout à l'heure. Et on découvrira ça. Et sur, on a hâte 19h live de relever ce défi. Ouais. Pas de soucis. Merci beaucoup. Défi relevé. Ça marche. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On se retrouve juste après la pub. Bonjour les enfants, ici Cascade Von McLeish. Aujourd'hui, on va apprendre à comment faire des drifts, comme dans mon film préféré, mais pas n'importe quel drift, ce genre de drift. Attention les enfants, n'oubliez pas qu'à bord d'une voiture, il est très dangereux de faire n'importe quoi. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est que le frein à main, ça ne sert qu'au drift. Voilà les enfants, ça c'est des conseils de pro. Si jamais vous voulez des vrais cours de drift, envoyez un chèque à l'adresse qui s'affiche juste en bas de l'écran et je vous enverrai moi-même mon cours par la poste en drift. N'oubliez jamais les enfants, sécurité promo, c'était Cascade Von McQuish. C'est le moment de la revue de presse de Lucas. Ouais, alors cette semaine, je reviens avec une des nouvelles phares. C'est la promotion des Intermarchés sur le Nutella. Hein, donc à moins 70 le pot, ça fait 1,41€. Moins 70 le pot, mais juste cette phrase-là me fait délirer. J'adore. Mais continue, c'est génial. Donc certains magasins ont même mis une limitation en place de pot par personne. Hein, donc c'est simple, on serait cru en plein rationnement, avec bien sûr les émeutes qui vont avec. À Charleville-Mézières, une consommatrice rapporte à l'Union « Les cartons volaient, ils se sont insultés, se sont bousculés comme de vrais tarés. »
La police a même dû intervenir dans le Nord-Pas-de-Calais, notamment à Roubaix, mais ça, c'est normal. Ça s'est mal passé, du coup. Oui. Alors, ceci a valu des remontrances à la direction d'Intermarché par le ministère, par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, craignant que ce genre de bousculade ne se banalise. Alors moi j'ai quelque chose à proposer à monsieur le ministre, une suggestion radicale qui devrait à coup sûr stopper ce genre d'élan, c'est changer la pub de Nutella et la rendre un peu plus proche de la réalité. Dans un pot de Nutella, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, je vais te le dire, ce qu'il y a dedans, ma cocotte, tu vas pas être déçue du voyage. Hein. Alors d'abord, pour le goût, il y a des noisettes sélectionnées pour leur qualité. Du cacao cultivé en Afrique et cueilli après les pluies d'été, hein, qui rendent les fèves plus grandes. Oui. Plus grandes que les enfants exploités pour les récolter, bien sûr. Du sucre extrait de betteraves essentiellement françaises qui te donneront des grosses fesses, les dents noires et du diabète. Pour l'onctuosité, de l'huile de palme, au bon goût de cholestérol et de déforestation. Un peu de vanilline et c'est tout. C'est un peu violent. J'espère vous avoir bien dégoûté. Hein. Délectable. D'autant plus que notre pays comporte de vraies spécialités et traditions culinaires. C'est d'ailleurs ce que propose de récompenser le JT de 13h de TF1. Hein. Il suffit de voter pour votre plus beau marché sur le site web de l'Est-Éclair ou l'Union. Hein. Et le marché choisi pourra alors être départagé au niveau national. À la clé, un duplex pour le marché gagnant. Et peu importe le résultat, hein, même si on n'est pas dedans, ça sera toujours l'occasion d'admirer la réintroduction du Jean-Pierre Pernaut dans son milieu naturel, c'est-à-dire entre les terrines en tout genre, les pâtés de campagne, les eaux de vie frelatées. Les eaux de vie, pardon. Frelatées. J'avais mal compris. Et les fromages qui sentent l'arrêt. Voilà. Et on se retrouve du coup dans deux semaines. Merci beaucoup, sur ces bonnes paroles. Est-ce que dans deux semaines, on aura du coup la promo sur les brocolis à 90 centimes. Écoute, si Intermarché le fait, oui. Donc ça, c'est la presse. Si Intermarché le fait. C'est la presse qui nous le dira. Oui, on verra. Très bien. Eh bien, merci Lucas. Et voilà, on est déjà à la fin de l'émission. Merci à tous d'être venus. Merci encore une fois à Loïs et Simon. Merci à vous. Dans l'émission 19h Live. C'est ça, tous les mardis. Puis sur Facebook, page 19h Live, lâchez les pouces bleus. je fais la promo, les gars. Il faut être là pour faire ça, justement. Mais carrément, puis vous revenez quand vous voulez dans l'émission, et puis à l'occasion, on repassera faire tous les mardis soir. tous les mardis. Ce sera parti. Merci à Paul, merci à Lucas. Et on termine l'émission avec un concert de Ian Cofield à la cartonnerie de Reims. Merci beaucoup. À dans deux semaines. Salut. Salut.